congolaises, congolais. Les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise. Être âgé de 18 à 25 ans. Être célibataire, sans enfant et volontaire. Avoir une bonne moralité. Avoir fait au moins 4 ans post-primaire. Être physiquement et mentalement apte. Être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale, les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya et Bélé, Totombola Bendel et Ambo Kanabiso. Chef d'état-major général de FARDC est arrivé ce mercredi 14 juin 2023 à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo. Le lieutenant général Tio Essongesa Christian effectue ainsi sa première mission de commandement et de contrôle dans cette partie de la République. À sa descente d'avion à l'aéroport international de Bangoka, le chef d'état-major général a été accueilli par le lieutenant général Mbangu Machita Marcel, commandant de la 3e zone de défense, entouré de ses deux adjoints, du commandant de la 31e région militaire et les membres du comité provincial de sécurité. Le chef d'état-major général du FARDC, le lieutenant général Tio Essongesa Christian, aussi en fait sa mission de commandement et de contrôle des unités FARDC dans les provinces. Et c'est après sa prise de fonction qu'il avait entrepris cette mission. Présentement, là, il vient sur la ligne de front au nord Kivu. Sa visite ici, dans la province de la Tchopo, l'état-major général va visiter les recrues en formation dans le centre d'instruction de l'Okosa et dans les camps Paouma. Après les honneurs militaires sous une fine pluie, signe de bénédiction en terre boyomaise, le cortège du chef d'état-major général des FARDC a pris la direction du centre-ville pour les civilités à Madame le gouverneur des provinces, Madeleine Nikomba Sabamou. Et s'en est suivi l'étape des briefings à l'état-major de la 3e zone de défense, puis à celui de la 31e région militaire. La situation générale de la zone de défense et de la région militaire ont constitué l'essentiel des briefings présentés respectivement par les lieutenants généraux Mbangu Marcel et le général-major Mujinga Mij. Après sa mission de service qu'il a conduit à Bukavu et Uvira dans la province du Sud Kivu via le Nord Kivu, le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant général Mbangu Machita Marcel, est de retour à Kisangani où est basé l'état-major de la 3e zone ce mardi 13 juin 2023 à 14h30 local. Reçu au pied d'avion par le commandant adjoint de la zone de défense, en charge des opérations et renseignements, les commandants de la 31e région militaire, les commandants adjoints en charge de l'administration et logistique, ainsi que le chef de l'état-major de la zone, toute la délégation a pris la direction de l'état-major 3e zone de défense, où les commandants zone a tenu une séance de travail jusque tard la nuit pour le préparatif de l'arrivée du chef de l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo à Kisangani. Plus rien ne
sera comme auparavant. Tous les groupes armés réfractaires au processus de paix seront poursuivis jusqu'à leur dernier retranchement, soit par les opérations militaires, soit par la justice congolaise et internationale. Déclaration du commandant des opérations militaires de l'Ituri faisant le point de la situation sécuritaire en territoire de Djougou au sorti de la réunion de commandement avec la MONUSCO et le comité provincial de sécurité, d'où la population est appelée à faire confiance aux forces armées. De la même façon que nous sommes en train d'organiser la paix, de la même façon aussi, de l'autre côté, l'ennemi est en train aussi d'organiser la déstabilisation. Mais ce qui est sûr, c'est que cet ennemi ne va pas nous vaincre. Vous avez parlé la dernière fois, vous avez quatre choix. Vous êtes désarmé, vous vous démobilisez, c'est la justice et la neutralisation. Et cela après que nous ayons parlé au Premier ministre, à la CPI, au procureur, au secrétaire général adjoint qui était venu ici et au commandant force de la MONUSCO. Dans la même veine, le lieutenant général Luboyanka Chomadjouni annonce le lancement d'un mandat d'arrêt contre toute personne impliquée, de près ou de loin, dans la déstabilisation de l'Ituri. La justice, c'est contre qui? Hier, c'est contre M. chef de la jeunesse Tchoura. Il sera arrêté, quelles que soient les manifestations qu'ils vont faire. Il a pris la clé des champs. Il s'agit de M. Pili, l'homme de Codeco qui a organisé ces attaques-là. Nous allons le neutraliser. Pour l'instant, le calme est revenu dans cette région à la suite d'un déploiement de FRDC. Occasion pour Dr. Lonema Vajiru d'appeler la communauté EMA à l'apaisement et d'accompagner les autorités militaires pour les retours rapides de la paix. Le gouverneur nous a rassuré que depuis toute la semaine, il suit de près les moindres détails des événements qui se déroulent chez nous dans le territoire de Djougou. Appelons toute la communauté EMA au calme et aussi à persévérer pour la démarche de la paix. Donc nous allons continuer à faire confiance à notre gouvernement, à notre province, pour que nous puissions ensemble rétablir la paix dans Djougou, dans Irumu et dans tout l'Ituri. Madame l'administrateur du territoire de Mwanda a procédé au lancement de l'exercice multinational dénommé Megalops 2023 ce mercredi 7 juin 2023 à 11h35 dans la grande salle du centre des opérations maritimes en présence du commandant 14e groupement naval, commandant groupement des écoles militaires spécifiques, commandant second de la base militaire de Kitona. Devant le représentant de la délégation française, devant plusieurs officiers militaires ainsi que du comité local de sécurité de Mwanda. L'exercice proprement dit est prévu la journée du jeudi 8 juin 2023 avec comme thème retenu trafic d'armes et de stupéfiants. Les débriefings interviendront le vendredi 9 juin 2023, toujours dans la même salle. A cet effet, suivant les mots du lancement prononcé par Madame l'administrateur du territoire, témoigne. 14e groupement naval, amiral. Monsieur les commandants, base de Kitona et place Mwanda. Ici représenté, monsieur les commandants des écoles, mon général, monsieur le membre du conseil local de sécurité, distingués invités à vos titres et qualités, tout protocole observé. Je tiens avant toute chose présenter mes hommages le plus déférents à son excellence monsieur le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité d'artisan de paix et rassembleur du peuple congolais. Ainsi, je souhaite à vous tous la bienvenue et un agréable séjour de travail sur les littorales atlantiques de Mwanda pour la cérémonie des briefings et débriefings et l'exercice des Megalops 23 qui nous réunit aujourd'hui. Enfin, je vous encourage et déclare une bonne réussite à tout ce que vous allez faire. C'est par ces petits mots que je déclare ouverte cette cérémonie. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le Congo central, que vive les territoires de Mwanda. Que l'éternel des armées nous protège. Je vous remercie. Merci.
Commandant 31e région militaire et commandant en place, général-major Mojingalich Timoté, a réuni autour de lui ce mardi 13 juin 2023 tous les commandants des grandes unités de la garnison de Kisangani, de la justice militaire et le directeur de son état-major dans les mess des officiers. Deux points étaient à l'ordre du jour. La restitution sur la réunion qu'il a participé à Kinshasa sous l'invitation de son hiérarchie et l'arrivée du chef d'état-major général, le lieutenant-général Tshiwewe Songesa Christian à Kisangani. Le commandant région a montré à l'assistance la situation qu'il a montrée sur toutes les activités réalisées sur le plan opérationnel sécuritaire de la province de la Tshopo, de Bazouélé. Le général-major Mujingamish Timoté a confirmé aux officiers l'arrivée ce mercredi 14 juin 2023 du chef d'état-major général des FARDC, de lui réserver un accueil digne de son rang. Une discipline doit être observée sur la circulation des militaires lors de son séjour dans la garnison de police de la circulation routière veillera aussi à la sécurité. Au cours de cette réunion de commandement tenue dans le mess des officiers, il y a eu présence du commissaire provincial de la police nationale congolaise Tshopo, commissaire divisionnaire Abdallah et ses deux adjoints. Le commandant Tchesto, le général-major Mamba Moubiaï Augustin, a reçu la visite d'une importante délégation des forces armées populaires de la libération de l'Angola, conduite par le général João Lino, directeur des formations à l'état-major des FAPLA. Trois jours durant, soit du 5 au 8 janvier 2023, cette délégation de l'armée angolaise est venue s'enquérir des conditions d'admission, de la qualité des installations et du vécu quotidien au Collège des hautes études de stratégie et de défense dans la perspective d'une participation prochaine des officiers angolais dans cette institution d'excellence de la CAC, de l'enseignement militaire de haut niveau. Au cours de leurs entretiens, le général Mamba a fourni d'amples explications à ses hôtes de marque. C'est une formation de haut niveau que nous puissions donner à nos militaires. Puisque nous disons que nous sommes des grosses stratégies, nous sommes en train de concilier les aspects politico-militaires. Et ça, c'est très important. Nous sommes en train de montrer comment un civil peut travailler avec un chef militaire, un ministre de la Défense, un président de la République qui est commandant suprême, comment on peut travailler avec les députés, ou les députés peuvent travailler dans les commissions de défense et sécurité. Au deuxième jour, a été convié à une séance de travail dirigée par le général de brigade Sam Kabila, commandant à Ségon du Tchèze. Chaque chef département a exposé sur le fonctionnement de son domaine, suivi d'un jeu de questions-réponses. Pour lier l'utile à l'agréable, les échanges des cadeaux ont été organisés par les deux parties. Arrivé au terme de sa visite à Kinshasa, le général João Lino s'est exprimé en ces termes. Nous sommes ici pour essayer de négocier avec le chef. Notre intention, c'est d'envoyer quelques officiers de notre service pour venir faire cette formation. Comme nous avions pensé faire une négociation pour que quelques candidats que nous avons peuvent aussi avoir la chance de faire la formation. Notre intention a été acceptée par la hiérarchie. Clôture des travaux de la deuxième édition du Conseil exécutif national des aumôneries militaires protestantes le jeudi 10 juin 2023 dernier. La cérémonie présidée par le directeur des cabinets du président national de l'Église du Christ au Congo a eu pour cadre le centre La Gloire des Dieux de l'aumônerie protestante du camp lieutenant-pilote Mbaki à la base aérienne de Ndolo à Kinshasa. Ces assises qui ont réuni tous les aumôniers militaires venus de toutes les
garnisons militaires et des secteurs opérationnels de notre pays ont planché sur les solutions aux problèmes de la bonne marche des services de l'aumônerie militaire protestante. Dans son intervention, le révérend-major Ndengui Dila Kingumina Dieudonné, aumônier protestant en chef ad intérim, a rendu un vibrant hommage au président de la République et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo pour la vision spirituelle et prophétique impulsée au sein de notre armée. Il a également exprimé sa profonde gratitude au chef d'état-major général pour avoir rendu possible l'organisation de ces assises. Avant que je puisse donner les impressions, je voudrais d'abord remercier les présidents de la République, chef de l'État, commandant suprême de nos forces armées, qui ne ménagent aucun effort pour qu'il y ait la paix, la stabilité à notre pays. Au chef d'état-major général, vraiment, je suis très reconnaissant pour tout ce qu'il a fait. Il nous a permis à ce que nous puissions avoir des autorisations de déplacement. Vous comprenez qu'à cette heure, à ce moment de la guerre, mais il a voulu que les aumôniers viennent et les aumôniers sont là. Et il a mis des moyens pour que nous puissions organiser ces assises. C'est pourquoi je le remercie. Dans son mot de clôture, le révérend Moïse Ngbema, directeur de cabinet de l'Église du Christ au Congo, a au nom de ces derniers prononcé la traditionnelle formule qui a sanctionné la fin des travaux de la deuxième édition du Conseil exécutif des aumôneries militaires protestantes qui ont commencé depuis le 29 mai 2023. Congolaises, Congolais, les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfant et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya Ebele, Totombola Bendele, Yambo Kanabiso.